C'est selon comment vous allez vous conduire. Contrôle. Contrôle. Voilà. C'est peut-être que vous placez, mais avec puissance. Pas frapper, placer. Avec effet. Eh oui, c'est ça le foot, le langage qu'on dit. C'est la rapidité avec laquelle tu poses. Voilà. Tac, le ballon, c'est ça. Voilà. Premier contrôle, et on arme directement. C'est vraiment ça. Vous avez 4 secondes. C'est vraiment ça. Maximum 4 secondes, sinon c'est 3. Le ballon vient, c'est la distance, il lève la tête et lui qui arme. C'est comment on a fait, il va poser. La base. Voilà. Voilà. C'est maîtriser sa poitrine, ne pas monter la balle, essayer de descendre tout de suite la balle. Voilà. C'est qu'on dit quand la tension est importante, pendant qu'on te donne quelque chose, il ne faut pas que tu arrives à jongler pendant qu'on te demande d'être vraiment attentif, puisque l'explication est donnée. Allez, descends là, hop. Ah. C'est juste descendre sa balle en premier. N'essayons pas de lever le torse. Puisque quand on lève le torse, la balle rebondit vers le haut. Le but, c'est redescendre la balle directement avec son torse, lui donner la direction vers le bas. Voilà. Quand on donne à la balle la direction vers le bas, quand on donne la direction vers les bas, on étouffe la balle, voilà. On a plus facilement. Voilà. Tu dois pouvoir faire le ballon comme il faut. Go! Descends. Bon, mais regarde. Ok? Le geste doit être accompagné par le corps. Go! On essaie d'élever. Voilà. Là, c'est un peu maîtrisé. C'est vraiment ça, mais c'est central. Il faut maintenant lever la tête, comme il a dit, voir. Le football se joue avec des lignes. Si on ne voit pas ce qu'on fait, on n'arrivera pas à vraiment les poser là où on veut. Il faut essayer de lever la tête, voir où est le gardien. Vraiment important de lever sa tête dans ce sport. Lever sa tête et... Essaye de regarder ton gardien. Regarde ton gardien et tu le verras. Tu le verras là où il est et tu pourras vraiment faire quelque chose de bien. Il faut voir. On a besoin de voir. Voilà. Nous avons... Voilà, l'exemple type. Tu as un défenseur derrière qui est en train de gêner. Ça a été vraiment lancé vers le haut, mais bon, ça arrive. Il faut essayer d'étouffer la balle vers le bas. Premier contrôle, on étouffe. Tes jambes doivent être un peu écartées. Tes mains, tu dois commencer par l'ouvrir pour lui montrer ce que tu peux lui donner. Voilà. Il faut tourner son corps. Il faut arriver à tourner son corps avec. Parce que c'est l'impulsion que le corps donne au ballon qui nous donne cette espèce de l'orientation des balles. Voilà. When you know that you are going there,
you use your hand like this to try, you know, and use it to turn like that. When you are going to that side, you use it so, okay, to protect yourself. And you turn, you try to go to that side. But when you stand like that, you know, yeah, I can come, eh? You get it? Yeah. Okay. Go! Voilà, c'est quoi? Comment tu m'encaisses les buts comme ça? Les gars, c'est compris? C'est vraiment ça. On n'a pas. Voilà, ton coude déjà, même la personne qui vient se coller à toi. Par contre, tu dois un peu. Voilà. Donc, quand tu veux aller de ce côté, tu mets ta main, ok? Et tu mets ton pied là d'appui, comme ça, ok? Et ta main. Comme ça, tu prends le ballon de la poitrine en orientant et tu peux aller directement. Donc ta main, c'est ça qui m'empêche de me coller à toi comme ça. Quand c'est là, moi je n'accepte pas. Hein. Tu comprends? Je suis obligé de laisser l'espace entre nous deux. Mais si tu ne mets pas ça, moi je te colle. Hein. Alors que c'est ça qui te protège. Mouvement. Tu vois? Obligé, moi je recule parce que moi, ça me fait mal et je ne veux pas ça. Tu vois? Donc, tout obligé, je suis là pour te laisser. Go! Go! Magnifique. Ce sont des petits trucs dont vous avez besoin, mais vous n'avez pas ça. Hein? C'est important, les gars. Go! Voilà, ou bien, il est là. Les gars, vous suivez tous. Tu es là, tu veux prendre le ballon, tu vas là-bas. Ta main, tu peux l'utiliser sans que l'arbitre le sache. Regarde, tu es là. Tu veux pivoter pour aller là-bas. Ta main gauche, tu prends juste sa culotte, comme ça. Ok, tu prends sa culotte. Les gars, suivez. Tu prends sa culotte pour le pousser vers là-bas. Tu comprends? Donc, ton geste que tu fais, ta main fait ça et cette main là, l'arbitre ne voit pas, hein? Là, ok, la main elle est là, tu vas comme ça, tu prends son short ou son maillot le haut, ok, et tu tournes comme ça, l'arbitre ne voit pas que moi je l'ai gardé, hein? Et après lui il fait un geste, moi je crie, c'est pénalty, hein? Mais vous, je vois toujours les jeunes. Il est comme ça, joue le ballon. Il est comme ça, il se laisse aller. Yeah, habite. Il faut utiliser. Hey, le pied, tu veux tourner, c'est le pied là qui est en arrière. Là. Et ça permet de tourner pour pivoter. Ok? Bonjour Yaya. Hey, ça va? Ça va. On va finir dans pas trop longtemps. Non, c'est pas que je demande si vous arrivez. Non, 30 minutes de match, ça va être chaud, hein. Ouais, mec, vous allez vous mettre là, dans 10 minutes comme ça, on va jouer un petit truc avec vous. Comme ça, je vais voir mes jeunes qui vont essayer de faire. Ça va leur faire du bien aussi. Bon, on va laisser un petit match test d'entraînement pour voir déjà samedi en attendant la prochaine séance. Les gars, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Go! Voilà, vous avez vu, il a mis sa main, hein? Mais par contre, il a mis la main haut. Il ne faut pas mettre ça haut. Tu le mets haut, l'arbitre voit. Il faut le mettre bas. Hein? Il faut le mettre bas en utilisant ça et en plus. Regardez mon pied, les gars. Aussi tu ça. Tu pivotes comme ça. Ça évite pied, à ce que tu commettes. Ton pied pivote. Vraiment une et faute grave qui et va t'aimer te valoir un carton. Okay. C'est vraiment une façon de se protéger sans pour autant faire mal, mais avoir la possession de la balle. C'est vraiment ça. Go! C'est des choses à utiliser durant un match, durant des entraînements. Sans ça, on ne maîtrisera pas. Il faut vraiment les maîtriser. C'est une façon de faire qui est intéressante. Qui est vraiment intéressant. Mais au départ, ne fais pas ça. Go! Voilà.
mets la balle au sol. Voilà. Le geste doit être accompagné par son corps. Son corps est important dans ce sport. Au plus. Quand tu fais déjà comme ça, l'arbitre va siffler faute contre toi. Voilà. Tu te mets là. C'est quand le ballon vient que tu essaies de mettre la main. Comme ça, pour chercher mon maillot. Le but n'est pas d'avoir déjà commettre la faute, d'arriver à se trouver une possibilité de tir. Vous avez compris la petite notion, toi pour un attaquant, tu as bien compris, même quand tu es en milieu de terrain, c'est important. Tu vas sur le geste, tu mets la main comme ça, ok? Tu mets pour te protéger, mais les jeunes souvent vous ne faites pas, vous ne vous protégez pas. Tu vas, quand tu freines, ton coude il est là légèrement. Ça veut dire, monsieur, ne viens pas me donner ton genou dans le dos ou ne viens pas me donner ton genou sur la cuisse. C'est là. C'est, pour toi, c'est comme ta ceinture de sécurité. Hein. Hop, tu mets là, légèrement, avec l'intelligence. Mais vous partez seulement comme ça. Pas de protection. Et ça ne peut pas aller comme ça. Hein. Ok? Allons. C'est vraiment... Tu t'arranges pour faire face là-bas avec le ballon. C'est toi qui sais ce que tu veux faire. Automatiquement, vous vous positionnez là. Chaque défenseur va te laisser faire le contrôle de là-bas. Oui. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Il faut prendre une distance de sécurité où je peux garder ma balle puisque le défenseur il est entraîné pour ça. En attendant qu'il ne soit prêt, il veut jouer un peu avec nous. Les gars, ramassez vite les choses qui sont là. Dépêchez-vous vite. Voilà, on est au bout. On va laisser. On va voir ça. Ramasser les choses qui sont ici. Il y a deux ou trois exercices qu'on va faire rapidement. C'est vraiment programme complet. Les ballons vont se mettre là-bas. Les jeunes n'ont pas vu un peu ce qu'il a fait avec eux, mais c'est un travail vraiment complet. On leur a donné vraiment toutes les gammes utilisables au football. Si ils reposent un peu leur cerveau, ils vont se rendre compte de tout ce qu'il leur a donné comme gamme qui pourrait éventuellement les aider à faire des choses bien. Après ça, nous aurons un petit match qui va nous aider à être bien, et prendre plaisir. Merci à l'Académie Champion de nous avoir conviés à ça. On va les vivre comme d'habitude, bien. On ne connaît pas tous les acteurs, mais on connaît le football. Ça sera quelque chose de bien.